matinée va être consacrée à un ouvrage dont la réputation, bien qu'il soit paru très récemment, n'est déjà plus à faire. Il s'agit du François Villon que Jean Favier vient de publier aux éditions Fayard. Et pour discuter de ce livre et du personnage qui en est le héros, nous sommes réunis ce matin autour des micros des lundis de l'histoire, l'auteur, Jean Favier, directeur général des archives de France et professeur à l'université de Paris-Sorbonne, Paris IV, Paris Philippe Contamine, professeur à l'université de Paris 10, Nanterre. Bernard Guenet, membre de l'Institut, professeur à l'université de Paris, Panthéon, Sorbonne, Paris 1. Et Félix Lecoy, membre de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France. Alors, Qu'est-ce que l'on peut dire de, euh, la, de la vie de Villon et d'abord quand a-t-il vécu Villon naît probablement en 1431. Notre incertitude porte sur quelques mois, à moins qu'il n'ait délibérément ou, ou involontairement menti complètement sur son âge. Euh, les documents euh, universitaires que nous avons confirment à peu près cette tranche d'âge. Il naît dans un milieu très modeste, parisien. Parisien de récente souche, parisien sans relation. Il devient le petit clerc d'un chapelain d'une petite église de la rive gauche, Saint-Benoît-le-Bétourné, et ce chapelain s'appelle Guillaume de Villon, et c'est à ce Guillaume de Villon que François de Montcorbier, car c'est son nom, empruntera son nom, sans lui emprunter d'ailleurs sa particule, qui n'a d'ailleurs rien de nobiliaire. Villon est donc le petit clerc, c'est-à-dire à la fois le domestique, le secrétaire, l'enfant de cœur, le garçon qui fait les courses, et celui qui probablement, euh, en échange, reçoit une instruction, un enseignement primaire, dirions Le voilà qui entre ensuite à La faculté des arts, les arts, ce sont les arts libéraux, c'est-à-dire que c'est l'enseignement secondaire, ce sont les fondements de la connaissance et d'expression, de la grammaire, la rhétorique, la dialectique, etc. Et Villon, suite à la faculté des arts, un cursus qui ne semble pas être très rapide. Il le dira plus tard si j'eusse étudié autant de ma jeunesse folle, j'aurais couche molle. Et bien, en définitive, il n'a pas couche molle, il a semble-t-il étudié assez peu, assez lentement, mais il a quand même étudié suffisamment. Pour parvenir à ce baccalauréat S.A. qui est un premier terme, il l'obtient en 1449. Puis trois ans plus tard, à la licence, qui se transforme par un mécanisme assez rapide et automatique en une maîtrise, le voilà maître S.A. On l'appellera dorénavant maître François Villon, maître François, et cela lui donne le droit de mourir de faim, de trouver un petit emploi ou d'aller dans une faculté supérieure, c'est-à-dire de se faire théologien, juriste ou médecin. À certains égards, on peut penser qu'il a tenté de se faire théologien. Ce n'est pas assuré. Il a acquis également un assez bon vocabulaire juridique, mais peut-être a-t-il été apprenti théologien et a-t-il gagné quelques sous en écrivant chez un notaire ou en écrivant chez un avocat. Villon, en dans les facultés supérieures, cette fois, est un très mauvais étudiant. Il fréquente beaucoup plus la taverne que l'université. Et le voilà qui, un beau jour, un beau jour de fête Dieu de 1455, se trouve pris dans une salle à faire. Une querelle, une querelle dont nous n'avons que sa version, en sorte qu'il nous apparaît blanc comme neige dans l'affaire. Jean-Ravier, euh, avant euh, d'entrer dans ces récits qui est à la fois très important et très intéressant, euh, des affaires auxquelles Villon a été mêlé, euh, je voudrais vous demander euh, si il est exact euh, de conclure ce passage par l'université en disant que Villon retire de ce passage donc euh, un titre. Vous venez de le dire, euh, maître François Villon, euh, maître François. Le fait d'appartenir à la cléricature, il ce dire, qui est fait... quand même assez important parce que ça représente un certain nombre de privilèges. En revanche, il ne fait pas carrière euh, universitaire, il ne va pas plus loin, et il semble, euh, si je vous ai bien lu, euh, que vers la fin de sa vie, il n'est plus clair. Alors, vers la fin de sa vie, il semble bien que l'évêque d'Orléans, qui l'avait jeté en prison, euh, l'avait, en raison du crime que nous ignorons, la nature du crime, privé son privilège de clerc, pourquoi on a évoqué des vols sacrilèges, nous n'en savons rien. Euh, il est assuré que Villon est un clerc parce que tout écolier est un clerc jusqu'au moment où il choisit de ne plus l'être ou de le rester. Et il faut bien rappeler que le clerc n'est pas nécessairement clerc perpétuel. Que donc pour l'écolier, demeurer un clerc le plus longtemps possible, c'est retarder le moment où il perd tout espoir d'obtenir des fonctions autres que celles du clerc ou du laïc. Le clerc peut toujours se transformer en laïc et faire une carrière laïque. S'il cessait d'être clair, il ne pourrait plus y revenir. Bernard Guenet. C'est justement à ce propos-là que je me suis posé une question. Nous y reviendrons peut-être d'ailleurs. Jean Favier, à la, au cours de son livre, nous déclare que François Villon était chauve et que c'était une preuve de vieillesse. Euh, si j'ai bien compris, la calvitie de Villon repose sur le fait qu'il dit Il furait, chef, barbe et sourcils, etc. Or, moi précisément, ce qui me frappe, c'est qu'il parle de cela avant de parler de son bannissement. Or, il furet, pour moi, j'ai l'impression, ça veut dire qu'il a été rasé, réduit à l'état laïque, et qu'on lui a supprimé sa tension. Et que moi, j'ai l'impression que ce vers-là veut dire très précisément qu'en effet, l'évêque d'Orléans l'a réduit à l'état laïque. Il a été ré, il a été rasé, n'est-ce pas On ne dit pas qu'il est chauve, on dit qu'il a été rasé il dit aussi qu'il a été pelé comme un navet oui, que, oui. mais euh, je ne sais pas la façon monsieur le de... quoi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que le sourcil est un signe de cléricature là je crois non, pas non non mais que... ça c'est l'exagération poétique il faut tenir compte d'abord du fait qu'il dit il a été rasé comme un navet or c'était la façon dont on euh, euh, réduisait les clercs à l'époque on leur raser la tonsure, n'est-ce oui. pas oui, <laughs> Bien sûr, oui, c'est bien, bien, possible que ce soit le sens de ce vers. Mais je suis un peu comme Jean-Favier, moi. Il va plus loin, n'est-ce pas Il va plus loin. Il y a les sourcils. Et On peut il, se demander s'il si... crache, crache blanc comme coton. Voilà, se... Si n'était pas malade, Vous comprenez. Je crois que sans anticiper beaucoup sur la fin de l'émission, on peut dire quand même qu'un certain nombre de séjours en prison, surtout en, en, en ce temps où les prisons, ce sont des geôles humides et, et sans lumière, eh bien, ça ne laisse pas sortir en très bon état. Alors, par ailleurs, moi, je suis content que vous ayez évoqué avec quelques détails euh, ce point, qui n'est d'ailleurs pas sans importance, parce qu'il nous montre encore. Euh, toutes les incertitudes d'interprétation euh, qui sont très nombreuses euh, par rapport à Villon et euh, à son œuvre. Et donc, je crois que cet échantillon était intéressant. Alors, maintenant, il va y avoir une, il faut bien le dire, euh, une cascade d'affaires judiciaires. D'autant plus qu'il n'apparaît dans les documents qu'à propos de ses affaires. Ah, il, et... est, oh, il est apparu dans les documents universitaires à propos de ses grades. Maintenant, il n'apparaît plus qu'à propos de ses méfaits. C'est ça, c'est son... Nous, nous connaissons, au fond, essentiellement son casier judiciaire. Ou <laughs> l'absence, puisque la Alors, rémission... Est-ce que, sans entrer dans les détails, encore une fois, ils sont souvent intéressants, même piquants, et euh, je pense que c'est une des choses que vos lecteurs euh, liront avec euh, un très grand intérêt. Donc, sans entrer quand même dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'ont été ces affaires La première affaire, c'est une querelle. Un soir de fête où tout le monde a eu chaud, où certains ont bu, et où peut-être euh, on vit une affaire de femme ou une affaire de dette, je n'en sais rien. Un prêtre, le prêtre Sermoise, agresse Villon. Tout au moins, Villon le dira-t-il par l'intermédiaire de ses amis. Et on se bat. Il y a un mort, c'est le prêtre Sermoise. Villon préfère s'absenter. Nous sommes en 1455. Voilà, 24 notre, ans. voilà notre Villon qui s'absente qui quelques mois et qui revient à la faveur de ses lettres de rémission. Nous avons déjà parlé. À partir de ce moment-là, celui qui était un, un clerc probablement paresseux, euh, probablement rêveur, mais pas un malfaiteur, se retrouve quand même, sinon marginal, tout au moins dans une situation un peu difficile. Euh, on sait qu'il a tué quelqu'un, et même si la justice du roi l'a lavé, il a quand même tué, et de, dans le même temps, il a interrompu ses études. Il faut bien le dire que euh, le, le cursus des études de François Villon s'arrête avec l'affaire Sermoise. À ce moment-là, euh, il vit dans un milieu de chenapans. De chenapans du quartier latin, pas de truands des grandes rues, des grandes routes, euh, mais de gens qui se comportent mal, de, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et voilà notre vision qui est, euh, est impliqué au moins dans une affaire, je dis au moins celle du vol du Collège de Navarre. On va défoncer le coffre du Collège de Navarre, qui est l'un des collèges les plus riches Riche. du Paris universitaire, un endroit où pour être boursier, il faut avoir de bonnes relations. Eh bien, là, d'ailleurs, il ne joue pas le rôle essentiel, ce n'est pas lui le cambrioleur il est l'un des comparses, il n'empêche que, euh, l'affaire faite, Villon préfère s'absenter. D'ailleurs, nous ne savons pas s'il n'est pas finalement parti pour préparer un autre mauvais coup en province. C'est à cette occasion qu'il compose le lait c'est-à-dire la première œuvre en forme de testament, où il emprunte, mais nous y reviendrons, à la fiction testamentaire, et également à la fiction du congé, c'est-à-dire du départ de l'homme amoureux qui abandonne sa belle parce que sa belle ne veut plus de lui, il emprunte donc à deux grands types littéraires la forme d'une œuvre qui n'est certainement pas la première, mais qui est la première que nous pouvons dater avec une grande précision. Voilà notre vision sur les routes, et il est absent de Paris. Pour trois années, trois années pendant lesquelles il sillonne, semble-t-il, le Val-de-Loire. Félix Lecoy. Oui, cette affaire, n'est-ce pas, du Collège de Navarre est tout à fait très intéressante. Il vole le, 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 le Collège de Navarre. Il ne faut pas oublier qu'il vole. Les dépôts d'argent que d'autres personnages avaient faits au collège oui. de Navarre. C'est-à-dire que, si j'ose m'exprimer, un casse, n'est-ce pas oui, oui, là, oui, là, oui, Nous en voyons tous les jours les coffres en banque. Là, pas les collèges, Et, comme les églises, oui, sont d'admirables banques. Oui, oui. Par conséquent, oui. c'est vraiment. Euh, okay. D'autre part, c'est une affaire que nous connaissons, celle-là, fort bien, parce que nous avons la déposition de Guy Tabari. Pas, un des personnages qui avait pris par au, euh, par au, au vol sautement dans une sautement, enfin, ne pas dans quelles conditions tout à fait dans une taverne se met à raconter l'histoire à un personnage qui dans le fond était un indicateur. Il fait le malin. Oui. oui. Pour, pour essayer de euh, se faire passer pour plus truand oui, qu'il n'est. Peut-être pensait-il aussi trouver un complice. Mmh. Non, en réalité c'était un indicateur lequel naturellement n'a rien de plus pressé que de faire savoir à la justice. On arrête le guide à Paris. Vous êtes méchant. Je crois que c'est un délateur. C'est pas un indicateur. Bah, si vous voulez. Alors, le même genre, je crois que un... le, le brave curé était pâté, oui. et puis tout d'un coup il se dit quand même, c'est oui. un peu gros, je vais aller raconter et ça à la police. C'est un provincial, en effet. Il était là à Paris, c est, c est, c est, c est... il était un peu étonné de voir brusquement ce guide à Paris lui raconter une affaire extraordinaire. Alors nous avons des déposition de Guy à Paris, elle est très intéressante. Personnellement, moi je regrette que aucune des nouvelles éditions ne redonne ce texte, oui. n'est-ce pas, qui est vraiment très vivant, où on voit comment les choses se sont passées. La seconde chose extraordinaire, c'est de penser qu'après avoir fait le coup, que, euh, Villon éprouve le besoin, pas de le raconter, si je puis dire, mais de d'écrire le lait, c'est-à-dire de, de, de dire je m'en vais, je quitte Paris. Naturellement, on ne dit pas qu'il quitte Paris parce qu'il ouais. va faire un mauvais coup. Mais enfin, c'est même un peu, un peu extraordinaire. Je me demande si certains lecteurs, n'est-ce pas, certains de ses amis, de la même bande... Ne, ne, n'arrivait pas à établir, ne faisait pas un rapport n'est-ce pas entre le lait lui-même et l'affaire du collège de Navarre ce qui naturellement pour ses lecteurs informés si oui. je puis dire augmentait oui. beaucoup l'intérêt du texte mais c'était terriblement dangereux mais oui, pour Angers il faut se souvenir oui. qu'à Angers il y a un duc d'Anjou qui est le roi rené et que la haute justice du roi de France oui. ne passe pas oui, à Angers puisque oui. nous employons quelques termes euh, anachroniques mais qui je crois font bien voir certaines de ces situations il y a un peu d'exhibitionnisme chez Villon il y a un mot à la mode qui reflète tout à fait ce que pratique Villon, c'est le nombrilisme. Mmh. <laughs> bon, alors donc, euh, ce, ce voyage euh, au bord de Loire, et puis euh, on le retrouve à nouveau en prison. C'est-à-dire que pendant son voyage sur les bords de Loire, il fait tous les métiers, il tire le diable par la queue, il vit sur les grandes routes, mais il fait également une... Deux tentatives au moins, peut-être trois, peut-être plus, d'insertion dans le monde des cours, c'est-à-dire qu'il essaie de vivre en professionnel de sa plume. Il y a tout un, toute une société de, de jongleurs, dit-on, de ménétrels, c'est-à-dire de d'artistes qui, les uns faisant des tours, les autres faisant des chansons, jouant du luth ou jouant de la vielle, euh, vivent de leur art ou de leur talent avec des situations de valet de chambre ou de, ou de, de pensionné, d'un grand seigneur. Eh bien, Villon tente et il échoue. Il échoue au point d'en garder une certaine amertume. Et comme on l'a, en ses en cours, et en particulier à celle du roi René, confronté avec le monde de l'amour courtois, avec le monde euh, de la convention, de la convention sociale aussi bien que de la convention amoureuse, il en tirera une œuvre en réaction, une œuvre très, très violente. Le contredit de Franck Gontier, c'est-à-dire cette œuvre où il dira eh bien Pour moi, le bonheur ce n'est pas de chanter la dame avec des airs, en prenant des airs éthérés, c'est d'être couché nu avec elle en ayant bu du bon hypocras et en ayant chaud aux pieds. Félix Lecoy. Encore un exemple pas, de cette ambiguïté de, de, de l'inspiration de Villon. Les contredits de Franck Gontier sont en effet, on peut les considérer euh, comme une profession de foi anti-courtoise. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un thème qui avait déjà été traité par d'autres. Ouais. Ouais. C'est ça qui est tout à fait curieux, n'est-ce pas? Et même, je suis obligé de dire qu'il y a un peu plus de textes que ceux qu'on a cités, car j'en connais un qui n'a jamais été publié, qui se trouve dans l'industrie de Stockholm, et que peut-être je publierai un jour, qui est une version des contredits de Franck Gontier, analogue à ceux qui avaient déjà écrit au début du 14e siècle. Alors on voit Villon, n'est-ce pas, utiliser, c'est ça qui fait toujours la difficulté d'interprétation, on se demande toujours, est-ce qu'il utilise un lieu commun est-ce qu'il exprime des sentiments personnels D'ailleurs, ça ne s'exclut pas, bien, bien entendu, n'est-ce pas C'est ça le problème. Bon, Et bon. le talent de Villon fait qu'en effet, nous sommes toujours tentés, je crois avec raison d'ailleurs, de voir à travers ces, ces lieux communs l'expression d'une d'un sentiment, d'une position, c'est pas par rapport à d'autres problèmes qui lui sont particuliers. De ces, de ces études universitaires, Villon a attiré en tout cas une pratique qui est celle d'emprunter aux autres, de se fonder sur les autres, et de, se, de se couler dans des moules. Philippe Contamine. Oui, effectivement, Villon a probablement essayé, lors de ce périple en, en province, sur lequel finalement on est assez mal renseigné, car il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que disent les poèmes de Villon. Il n'est pas évident qu'il a connu et il a parcouru tous les lieux qu'il cite. Bon, il a cherché à euh, s'insérer et à obtenir la protection des très grands seigneurs, du roi René, duc d'Anjou, du duc d'Orléans, Charles le poète, et également du comte de Clermont, futur duc de, de Bourbon. Mais je crois que il y avait deux possibilités, ou bien il y avait une possibilité baladeur, ménestrel, harpiste, c'est-à-dire celui qui va de cours en cours, qui produit son numéro et puis qui va plus loin et qui est hébergé, qui reçoit un petit don, etc. Bon, mais c'est une possibilité qui n'assure pas des revenus réguliers. Il faut quand même parcourir la France, parcourir du pays, etc. Et puis l'autre possibilité, c'était d'obtenir, indépendamment de son activité littéraire, une fonction officielle, bailli, prévôt, sénéchal. Et alors, lui, Villon, c'est un clerc. Normalement, il aurait dû donc obtenir un bénéfice. Et ce bénéfice, même médiocre, lui aurait permis. Euh, de continuer sans trop de problèmes son activité littéraire. Et ça, je crois qu'il n'y est jamais parvenu. Je serais assez porté à croire, sans pouvoir le prouver totalement, qu'il a un très mauvais caractère. Et du côté du droit de droite, France. Il en parle un petit peu du roi de France, en particulier il parle de, de Charles VII, le bon roi Charles VII. Il est très très respectueux des de hautes hiérarchies. Bon, c'est un très beau français. Et il parle également du bon roi Charles V et il parle surtout du bon roi Louis XI qui l'a libéré lorsqu'il était emprisonné par l'évêque d'Orléans à main en 1461. Louis XI envers lequel il manifeste une soumission tout à fait considérable et il lui souhaite mille prospérités y compris une très longue vie et y compris un grand nombre de fils à une époque où Louis XI effectivement n'avait pas encore d'enfants mâles en vie. Je crois qu'il faut bien Fabier. ne pas exagérer les relations que pourrait avoir Villon mmh. et rappeler euh, aux, spectres, aux auditeurs que euh, Louis XI, aussi bien que le duc d'Orléans en un autre cas, libère Villon, peut-être sans savoir qu'il libère bien Villon. Euh, on libère les prisonniers. Alors, le sait-il, ne le sait-il pas Dans le cas de la lettre de rémission, oui, incontestablement, il y a une volonté d'absoudre Villon. Dans le cas de la libération, nous ne pouvons savoir. C'est au nom du roi. C'est au nom du roi, mmh. mais. mais C'est cette reconnaissance qu'il manifeste. Oui. L'égard du bon roi Louis XI suggère que Louis XI savait un petit peu ce qu'il faisait. Bernard Guenet. Euh, C'est justement à ce propos-là que je ferai une remarque dans le livre de Jean Favier qui a... De très grande qualité. Il y en a une en particulier, c'est que le lecteur pourra retrouver la plus grande partie de l'œuvre de villon citée et commentée. Oui. À ce propos, euh, Jean-Favier tout à l'heure a eu la discrétion de ne pas le dire, mais je me permets de signaler euh, que, en marge de euh, ce livre où l'on retrouve effectivement une grande partie de l'œuvre de Villon, il a mis au point euh, une édition plus complète euh, qui va très bientôt, je crois dans une quinzaine de jours, euh, paraître également aux éditions Fayard. Oui, ce qui sera d'ailleurs très bien parce qu'un petit reproche que je ferai à ce livre, c'est que tout est cité, tout est expliqué, mais qu'on ne sait pas les vers, et que par conséquent, le lecteur qui a une citation sous les yeux est incapable de se reporter à son petit exemplaire de Vidon. Et même dans un livre de, de pour le grand public, je crois que ce ne serait pas euh, faire euh, ce serait un service rendre au grand public attentif d'avoir des références de vers qui permettent de retrouver très simplement les, les vers euh, dans l'œuvre de vidocq euh, je ferme cette parenthèse pour dire que pour revenir aux propos qu'on avait tout à l'heure et de dire que il est tout à fait curieux que jean favier n'ait jamais cité alors qu'il a cité pratiquement tout le reste la balade contre les ennemis de la france oui. N'est-ce pas? Et que précisément ça doit l'embarrasser parce que c'est un thème patriotique qui ne colle pas du tout avec le vilain marginal ou avec le vilain schnappant euh, qu'on veut nous faire euh, euh, qu on, qu on veut nous peindre. Et par conséquent, moi je trouve que cette balade qu'on ne cite pas, dont on ne nous parle jamais, pose un problème bien plus important qu'il ne semble. Que... Enfin, il y a une réponse Ah, la réponse est exactement celle que subodore Bernard Guenet, c'est que cette balade me pose un problème d'interprétation que je n'ai pas résolu. Comment Villon en vient-il à traiter ce thème et. et, oh, ça, ça oui. et Elle est de quand Oui, ça, ça rejoint, rejoint... d'autres... Et, et Jeanne, la bonne oui, Lorraine, quand l'on a voulu à Rouen... Attention, dans, un un les autre, dans, verre, dans les autres vers, il y a quand même beaucoup de conventions. Car enfin, le bon roi, le bon roi, c'est une appellation de convention. Euh, tandis que la balade contre les ennemis de la France, là, elle n'est pas de convention. Et j'avoue ne pas voir du tout dans quel contexte elle peut situer. Félix Elle euh, n'est pas de convention, si tout de même. Il y a des champs une balade absolument, et, euh, on peut dire identique, n'est-ce pas Par conséquent, en la rédigeant, Villon entrait là encore oui. dans un. Ouais. Euh, je crois, non mais je crois tout simplement que Villon a vraiment essayé d'entrer, n'est-ce pas, dans ce monde euh, dont... Mine pas tout à l'heure, non pas peut-être des, des auteurs qui, par un billet quelconque, étaient rattachés, n'est-ce pas, à l'administration d'un grand prince, mais de, dans ce monde de, disons, de poètes euh, ambulants, c'est un mauvais mot, mais enfin de, occasionnels qui auraient pu vivre. C'est la même chose pour la balade, pour le mariage des sous -de -ville. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette malade oui. n'est-ce pas C'est certainement une pièce qu'il a offerte à Robert Dessouzille, qui et, des et qui qu qu lui a été payée, n'est-ce pas Elle lui a été payée, enfin, je veux dire, il a eu une récompense. La même chose sur le, 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 le texte à propos de Marie, la fille du Duc d'Orléans. Tout ça, sont des pièces, n'est-ce pas, qui nous montrent qu'il a essayé, n'est-ce pas Il a essayé certainement, à un moment donné, d'entrer de, dans dans ce milieu qui ne veut pas être très riche d'ailleurs, mais enfin... Euh... Oui, je crois oui, que. Il a été déçu, vraisemblablement. Mais enfin, euh, non, je, elle ne me pose pas de problème. Pas pour parler, à parler. Elle ne pose pas de problème si on interprète Villon comme un homme de lettres qui traite des thèmes traditionnels ou des lieux. C'est ça. Bah, un je un crois pas défini, que là, est vous posez des pierres d'attente euh, pour une question dont nous reparlerons euh, avant la fin de notre débat. C'est Villon, euh, marginal ou littérateur, et à la limite, littérateur conformiste. Mmh. Euh, alors, je crois qu'il est très intéressant de poser ça, nous en reparlerons, je pense, euh, un peu plus loin. Alors maintenant, si vous le voulez bien, euh, je vous je poser vous... Oui, je vous dirais même, ça a l'air paradoxal, mais peut-être nous en parlons tout à l'heure, que je fais rentrer la balade de la grosse Margot dans ces séries de pièces. N'est-ce pas Je la mettrais très volontiers à côté de la balade contre les ennemis de la France. <laughs> mais, mais, pour mais, nous, mais Villon a voulu l'insérer dans son testament, oui. ce qu'il n'a pas fait. Ah bah, oui, mais ouais. il, a fait, il, a, il a inséré Sudville, n'est-ce pas Dans la, dans la belle fait. présentation de Villon par soi-même, oui. il oui. n'y a pas la balade contre les ennemis de la France. Oui, oui. oui bien sûr. Oui, là, nous reviendrons aussi YouTube sur cet extraordinaire montage du ouais, testament. Ouais. Oui, alors voilà, il y a une question que je voudrais surtout poser à euh, Bernard Guenet. Donc... Euh, Villon a été tiré euh, par euh, l'intervention royale euh, des geôles euh, de l'évêque d'Orléans contre qui il conservera une euh, dent tenace. Et il rentre à Paris. Nous sommes en 1461, il a 30 ans. Et désormais, euh, un thème lancinant euh, de la fin de son œuvre, et dès 1461, c'est la vieillesse. Euh, il se sent vieux, il se dit vieux. Jean Favier a fait allusion au séjour en prison et à leurs conséquences. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Euh, bien sûr, nous savons euh, que les hommes du Moyen Âge avaient, comme on dit maintenant, une espérance de vie euh, plus courte, bien plus courte que la nôtre. Toutefois, est-ce qu'il est normal, en 1461, qu'un homme de 30 ans se dise vieux eh bien, c'est précisément un des problèmes qui m'a fort intéressé dans le cas de Ville. Il y a au Moyen Âge euh, cette ambiguïté fondamentale que comme tout le monde le sait, on peut mourir jeune et que l'espérance de vie est bien moindre que de nos jours. Mais que le sentiment de la durée de la vie donne des âges qui sont au fond exactement les nôtres et qui remontent sur une tradition antique, c'est-à-dire que on est jeune jusqu'à 30 ans, et on est vieux à partir de 60 ans. Et ça, ce n'est pas le sentiment littéraire, c'est véritablement le sentiment profond de la population, puisque les classes d'âge ont été étudiées, en particulier par Claude Govard, qui va sortir une étude sur ce thème, dans les lettres de rémission de façon statistique, n'est-ce pas Et alors, elle a essayé de voir à quel âge était accolé le mot jeune et à quel âge le mot vieux. Le mot vieux, il n'y a aucun problème, c'est toujours 60 ans, un vieux de 60 ans ou plus. Le mot jeune pose beaucoup plus de problèmes parce que on ne sait pas très bien si la jeunesse doit être reliée à la situation sociale, le monsieur qui n'a pas encore une situation assise, à la situation matrimoniale. Le jeune homme est un jeune homme en principe non marié, quoiqu'il puisse y avoir des exceptions. Mais en gros, on peut dire que dans toutes les lettres de rémission, on est jeune jusqu'à 30 ans, et même quelquefois davantage, si bien que quand Favier nous dit « un pauvre jeune homme âgé de 36 ans environ, en laissant supposer que c'est une aberration du notaire, non, c'est une expression qu'on rencontre très souvent. Je On voudrais peut... interrompre Bernard Guenet, pardon. Oui. Euh, mon point d'exclamation portait sur le 36 ans environ. Ah bon, je bon, très bien. C'était oui. le alors, environ bon, ouais. alors qui m'amusait. J'ai donc été un mauvais lecteur. Euh, euh, ben, un jeune homme de 36 ans est encore une chose très possible. Par conséquent, l'homme de 1460 a le sentiment que si on meurt à 30 ans, on meurt jeune, par définition. Mais que ça arrive souvent. Oui. Et on n'est pas vieux, en tout cas. Alors, le paradoxe, c'est qu'à l'âge même où il sort de la jeunesse, Villon nous dit qu'il entre dans la vieillesse, ce que personne n'a jamais dit, et nous fait un tableau de la vieillesse et de la décrépitude qui semble parfaitement bien senti. Alors, il y a là une discordance dont on sort en disant que c'est un homme fini, usé, malade, etc. Mais il pourrait dire simplement Je suis usé, fini, malade, c'est embêtant juste au sortir de ma jeunesse, n'est-ce pas Mais non Et alors, ce qui me semble génial dans son cas, c'est qu'il arrive à trouver pour un homme de 30 ans des accents sur la décrépitude, sur la vieillesse et sur la mort, qui sont d'habitude réservés à des gens beaucoup plus âgés. Et je pense que quand on a compris que ce n'est pas du tout normal. Euh, euh, son génie apparaît encore plus grand. Mais alors on a Mais quand évidemment... même avec un peu de pause. C'est une pause, c'est une pause. Et alors on a évidemment il y a deux il y deux tendances après ça puisque personne ne sait ce qui est devenu Villon. Évidemment, il est beaucoup plus beau de se dire qu'il est mort, usé et fini à ce moment-là que de se dire que 10 ou 15 ans après, il faisait encore des farces euh, dans, un, dans le Poitou où il avait été banni, où il vivait loin de Paris. Le, le paradoxe de Villon vivant encore à 50 ans en bonne santé euh, gênerait les lecteurs et les admirateurs de Villon. Voilà précisément, euh, Jean-Favier, Bernard Guenet euh, nous introduit à la dernière péripétie connue de la vie de Villon, que se passe-t-il donc après 1461 Eh bien Villon revient à Paris, il a donc pendant son séjour en province, pendant son séjour sur la Loire, euh, bénéficié d'au moins deux séjours en prison, deux séjours en prison euh, qui euh, ponctuent des routes sur lesquelles il a eu froid et probablement assez souvent faim donc c'est quand même un homme fatigué disons probablement fatigué probablement usé j'avoue que je suis porté à croire qu'il y a beaucoup de pauses mais quand même euh, surtout une grande plainte sur soi-même car villon euh, a beaucoup pitié de sa propre personne quand il se traite de vieux singe et villon revient à paris entre-temps l'affaire du collège de navarre a été euh, Félix Lecoy a été euh, passé au crible de la justice royale. On le cherchait. Il commet un certain nombre de nouvelles bévues, se retrouve pour un temps en prison. On s'aperçoit que c'est l'un des voleurs du collège de Navarre et on euh, entreprend de le juger. On n'ira pas jusqu'au jugement. Les, les juges trouvent plus expédient de le condamner à une très très forte amende ou plutôt à une très forte restitution. Tel qu'il est évident qu'il ne trouvera jamais l'argent pour s'acquitter de cette dette. Donc, il a trois ans pour s'acquitter, cela veut dire que dans trois ans, il est banni de Paris. Et cette attitude des, des juges me paraît prouver que déjà, il est un trop grand schnappant pour qu'on ait envie de le garder à Paris, et déjà connu comme un trop grand poète pour qu'on ait envie de le pendre. Sur ce, le drame, le nouveau drame, dans une nouvelle bagarre du quartier latin, avec de nouveaux mauvais sujets qui sont de mauvais voyous, mais qui ne sont pas, là encore, des, des, des malfaiteurs de grand chemin, eh bien, un soir de beuverie, un mort. Même pas. Non. Il, enfin, en, il en réchappera. Il en réchappera. Un, homme sur le, un homme sur le pavé de la rue Saint-Jacques, avec du sang qui coule, et malheureusement, c'est un notaire pontifical. Un, un notaire apostolique, donc quelqu'un qui est tout à fait protégé, et euh, ça fait très mauvais effet de lui avoir porté un coup de couteau. Ce n'est même pas Villon qui a porté le coup de couteau, c'est un des, des autres schnappants. Mais Villon, on commence à en avoir assez. On en a assez de lui, cette fois, on le juge, on le condamne à être pendu. Je passe sur euh, un procès qui se déroule par épisode, parce que chacun est jugé quand on l'a et Villon fait appel. Il fait appel au Parlement et la Cour de Parlement décide de le bannir. Mais cette fois, il ne s'agit plus de le bannir dans trois ans, de le bannir sur le champ. Il obtiendra d'ailleurs un délai de trois jours, qui nous vaudra un nouveau poème, un remerciement à la Cour du Parlement. Voilà donc un Villon qui, dans les premiers jours de 1463, quitte Paris. Quitte Il quitte l'histoire. Il quitte l'histoire peut-être parce que la conversion vient. C'est une des hypothèses qui a été développée, pas par moi, mais enfin certains ont pensé qu'il s'était peut-être racheté par une vie de piété. Peut-être tout simplement par le désir de se faire oublier, de ne plus tomber entre les mains de la justice royale, c'est plus vraisemblable. Il a mis quelques distances entre les juges et lui. Peut-être parce qu'il a changé de métier. Peut-être parce qu'enfin il s'est mis à travailler. J'avoue que je suis quand même, et tout en étant très sensible aux arguments de Bernard Guenet, on n'est pas un homme vieux à 30 ans, il faut quand même dire qu'à 30 ans on est un homme qui a déjà vu mourir l'essentiel de sa génération. Et on a le sentiment qu'ils sont morts jeunes, mais ils sont morts quand même. Et j'avoue que devant cet homme qui quitte Paris, après tant de privations, tant de misères, tant d'épreuves, tant de prisons, et qui se dépeint avec complaisance, mais qui se dépeint comme un grand malade, je ne suis pas étranger, je ne suis pas éloigné de penser qu'il n'a pas survécu très longtemps. Mais de cela est une autre histoire, nous n'en avons aucune certitude. Bernard Guenet. Il faut dire que son milieu parisien était tellement son inspiration que le bannir de Paris était peut-être le rendre un poète stérile. Philippe Contamine. Il semble du reste qu'en 1463, Villon ait eu encore sa mère. Sa mère était encore été en vie. N'est-ce pas Et, et donc il était peut-être mort. Mais... Bon, donc par conséquent, sa mère était encore en vie. Et d'autre part, euh, son protecteur, euh, le, le, le chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné. Mais ni le chanoine ni sa mère n'avaient fait de prison et n'avaient vécu sur les routes les grands froids et les, grands, et les disettes. Non seulement fait de prison, mais également questionné, torturé. Oui, exactement, torturé. Félix le il y a tout de même, n'est-ce pas, dans cette biographie, quelque chose qui disparaît. C'est le nom de Colin Cailloux, n'est-ce pas Il a tout de même, ici, tout de même, Colin caillou et puis un autre, le, comment, enfin, qui ont été pendus. Et qui semblent bien avoir été ses amis, n'est-ce pas Ce qui crée une certaine amertume chez Villon. À l'époque où il manque d'être pendu, où il oui. pense qu'il va l'être, il se dit, finalement, en réchappe, ceux qui ont un protecteur, ceux qui n'en ont pas, sont pendus. Oui. Voilà donc... Euh, Comment se termine cette partition inachevée, euh, cet ouvrage, ce poème non terminé, ce qui évidemment euh, vaut depuis le romantisme au moins un prestige de plus à la figure euh, de Villon. Et pour terminer cette première partie de notre débat, je crois Jean Favier que ce que vous proposez à nos auditeurs, c'est ce poème dont vous avez euh, signalé l'originalité, bien que Félix Lecoy ait rappelé que c'était aussi... Euh, une forme littéraire, euh, les contredits de Franck Gontier La réaction de Villon contre la courtoisie conventionnelle. Sur un mol duvet assis, un gras chanoine laisse un brasier en chambre bien nattée, à son côté gisant d'âme sidoine, blanche, tendre, polie et atteintée. Boire Hippocrase à jour et à nuitée, rire, jouer, mignonner et baiser, et, nu à nu, pour mieux des corps saisés, les vit tous deux par un trou de mortaise. Lors, je connus que pour deuil apaisé, il n'est trésor que de vivre à son aise. Si Franc Gontier et sa compagne Hélène eussent cette douce vie hantée, D'oignons, si vaut qui cause fort haleine, n'accontassent une bise tostée, tout leur maton ni toute leur portée ne prise un ail, je le dis sans noisier, s'ils se vantent coucher sous le rosier, lequel vaut mieux Lit côtoyer de chaises, qu'en dites-vous Faut-il à ce musée Il n'est trésor que de vivre à son aise. De gros pins vivent, d'orge, d'avoine, et boivent haut tout au long de l'année, tous les oiseaux de scie en Babylone, à tel écho une seule journée ne me tiendrait non une matinée. Or, s'ébattent de par Dieu franc -Gontier, Hélène, ô lui, sous le bel églantier. Si bien leur est, cause n'est qu'il me poisse. Mais quoi que ce soit du laboureux métier, il n'est trésor que de vivre à son aise. Prince Juger pour tôt nous accorder. Quand est-ce de moi, mais qu'à nul ne déplaise, petit enfant, j'ai ouï recorder, il n'est trésor que de vivre à son aise. Jean Favier, dans cette seconde partie de notre débat consacrée à votre livre François Villon que vous venez de publier chez Fayard, je crois qu'il faudrait que nous accordions pas mal d'attention à ce qui a été un des grands intérêts pour vous de ce livre. C'est donc, à travers François Villon, de montrer la France du milieu du 15e siècle et plus particulièrement euh, le lieu auquel euh, on l'a vu hein, en évoquant la vie de Villon, euh, Villon a été euh, spécialement lié. Euh, il est là, si j'ose dire, comme un poisson dans l'eau, euh, et qui est donc Paris. Euh, par chance, euh, il y a des pages magnifiques sur euh, Paris, euh, autant de François Villon dans votre livre, et l'on sait que vous êtes euh, un des meilleurs, sinon le meilleur connaisseur de Paris à la fin du Moyen Âge, et que vous avez publié, je crois que nous en avions parlé il y a déjà quelques années, au lundi de l'histoire, un ouvrage sur Paris au XVe siècle. Alors, euh, qu'est-ce que c'est le Paris de Villon Le Paris de Villon, c'est une ville qui ressuscite. C'est une ville dans ces années 1450 qui commence d'avoir pensé ses plaies, aussi bien les plaies démographiques que les plaies économiques. C'est une ville dont au lendemain de la guerre de Cent Ans, l'économie était asphyxiée, dont la population avait singulièrement diminué, dont bien des maisons étaient en ruine, dont bien des terrains étaient vagues, dont les murs étaient fort bien entretenus, mais dont les portes avaient été pour la plupart murées. C'est une ville où les dynamismes étaient complètement assoupis, y compris le dynamisme universitaire. La plupart des collèges étaient vides et de surcroît ruinés. Oui, Or, rappelons, si vous le permettez, que le Paris euh, anglo-bourguignon euh, de la période précédente est redevenu, à proprement parler, français avec la rentrée de Charles VII en 1437, euh, quand Villon a six ans. Et que nous sommes en 14 dans les années 1450, 1460, les années où Villon euh, joue un rôle dans la rue parisienne, pas toujours un rôle euh, des plus recommandables. L'époque où quelques chahuts d'étudiants euh, attirent notre attention, parce que nous avons tout lieu de penser que Villon ne les a pas négligés. et eh bien, dans ce moment-là, nous voyons non seulement le dynamisme parisien reparaître mais probablement avec de nouveaux visages que ce soit le dynamisme économique qui n'est plus celui d'une ville comme avant la guerre et je dirais même comme dans la pause de la guerre que représente la fin du règne de Charles V et le début du règne de Charles VI ce n'est plus le relais de la grande place économique brugeoise qu'avait été le Paris du XIVe siècle c'est en revanche une capitale administrative beaucoup plus affermie ayant développé ses fonctions et qui euh, voit ce réaliser ce qui est peut-être l'un des miracles de la société politique et administrative de ces années 1435 à 1450, c'est-à-dire l'osmose des deux France, de la France, je ne compte pas la France de Bedford comme une France, mais des deux France qui avaient été soit bourguignonne, soit anglaise parce que bourguignonne, et de la France qui avait été celle de Charles VII. En sorte que dans ce Paris des années 1450, se côtoient des gens qui ont servi un roi, des gens qui ont servi l'autre. On voit reparaître des bateaux euh, au quai, au quai du port, au, non pas au quai, au ponton plutôt, des ports au vin, du port au blé, du port au charbon, du port, euh, du port au, au, au sel. On voit euh, reparaître des marchands étrangers, on voit reparaître des hommes d'affaires de province venant à Paris pour traiter des affaires et qui animent par conséquent ce que l'on appelle la ville par excellence, c'est-à-dire la rive droite, le monde euh, du commerce, du transit, euh, de la réexportation entre la place de grève et les ports en grève d'une part et les halles de l'autre. Et puis sur la rive gauche, de l'autre côté de cette île qui est avant tout la chose de l'évêque et du roi, et eh bien de l'autre côté, sur la rive gauche, c'est un monde universitaire qui commence de voir revenir des étudiants nombreux, bien sûr, surtout issus de la moitié nord de la france, mais venant aussi parfois du sud et aussi de l'étranger. un monde universitaire, où l'on aurait grandement tort de retenir quelques clichés trop facilement acceptés sur la sclérose de l'université et la sclérose de la scolastique. après tout, c'est quand même dans la sorbonne qui renaît après la crise morale qu'a été l'engagement bourguignon et l'engagement de la Sorbonne euh, contre Jeanne d'Arc n'est qu'un des moments de cet engagement bourguignon, eh bien, c'est quand même à la Sorbonne que va, quelques années après le départ de Paris, de françois villon apparaître la première imprimerie parisienne. il faut quand même se souvenir que c'est dans cette même université de paris qui a connu les grandes heures de la scolastique que se forge déjà le prochain humanisme. oui, et euh, au delà euh, de euh, l'université, euh, il y a tout le monde de la cléricature, euh, qui est un monde extrêmement important. villon euh, baigne aussi dans ce monde religieux et qui ne se situe pas seulement, au contraire, euh, sur la rive gauche, puisque, comme vous l'indiquez, il y a autant de Villon 35 paroisses à Paris, 7 sur la rive gauche, 14 dans l'île de la Cité, et 14 sur la rive droite. Sans compter les collèges qui sont autant de chapelles ouvertes sur, le, bien sur entendu, la rue. Bien entendu. Monde des clercs, monde des paroisses, mais aussi monde des monastères, monde des ordres mendiants, euh, auxquels Villon fait assez souvent euh, allusion, euh, monde d'autres églises dont Villon témoigne euh, aussi, et qui, je pense, seront des révélations, au moins pour certaines, pour beaucoup de lecteurs. Je pense en particulier euh, Bernard Guenet aux Célestins. Oui, parce que c'est dans les Célestins que prie la mère de François Villon. Et cette Église des Célestins, euh, Jean Favier nous donne quelques pages dessus, qui sont tout à fait intéressantes et tout à fait remarquables. J'avoue que je ne m'étais pas tout à fait encore rendu compte de l'importance des Célestins, mais que, en l'espace de 15 jours, grâce à Jean Favier et grâce au livre de Raymond Cazelle qui vient de sortir, Société politique, noblesse et couronne sous Jean Lebon et Charles V. Livre, si vous le permettez, auquel nous consacrerons prochainement un lundi de l'histoire. Eh bien, j'en suis heureux, car il y a là véritablement une conjonction qui nous ramène à une église qui a joué dans la vie politique euh, de Paris. Et Même plus encore, puisque les célestins ont failli être une sorte de mausolée euh, dynastique, et il y a là un élément qui est très important à signaler. Oui, à ce propos, bon, la mère de Villon prie aux célestins son domicile, peut-être donc sur la rive droite, alors que euh, Villon a un autre refuge auprès de Guillaume de Villon, sur la rive gauche. Le petit Villon, le jeune Villon et l'étudiant Villon est un homme de la rive gauche, il est un clerc, mais il n'est pas fils de clerc. Voilà, alors voilà. donc il est passé d'une rive à l'autre et il a conservé, parce qu'il parle quelque part du domicile de sa mère comme d'un château, d'un retrait. Est -ce est -ce pas que pour le il fils... a conservé un, un appui, un refuge sur la rive droite, semble-t-il. Est-ce est que le, pour le fils de pauvre, on ne peut pas dire que la voie des ambitions passe parfois par, le, par les deux ponts mais, alors, quoi. moi, je vais aborder le côté philologique de votre objection, enfin, de votre remarque. Est-ce qu'on peut être paroissienne des Célestins Il le dit bien. C'est-à-dire bah, oui, si. oui, qu'il oui, le sent le comme tel. Ah, pardon. Ah, le il ne parle elle, pas de Célestins, hein. Non, non. Il dit ou Moutier voit dont je suis paroissien. Oui, c'est nous qui disons que c'est les Célestins. -ce, il ne dit nulle part. Est-ce qu'on peut être paroissien du Moutier de toute façon ah, la question Bien sûr, paroissien. on est paroissien d'une église. Moutier, ça veut dire église au euh, Moyen Âge. Non, 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 ça ça... dire. Au XVe siècle, là, il n'y a pas de je problème. Vous... Tandis que, laisse ce sont les, les, ce sont les érudits modernes qui ont dit sur les Célestins parce que ils font à lui, ils, ils invoquent le texte de Gilbert de Metz, n'est-ce pas, qui dit que au il y avait un paradis peint. Alors on dit, voyez-vous, c'est le même. Mais rien ne le dit. on ne le dit pas. Viens ne le dit pas. Il est fort possible, vous savez, que ce soit une autre église dans laquelle il y avait aussi un enfer. Euh, Peut-être moins célèbre que la fresque des Célestins. Là-dessus, moi, je suis un peu. Oui, je rejoins votre. Euh, par un autre biais, je rejoins votre remarque, n'est-ce pas il est assez étonnant, en effet, que si elle était paroissienne de la rive droite, le petit Villon ait été engagé. Et ça, c'est pas étonnant, c'est pas possible, naturellement. On voit mieux les choses si la, la, la pauvre mère de Villon avait été la paroissienne d'une église de, 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 du quartier de la, rive, de la rive gauche, vous comprenez Dès lors que la pauvre mère de Villon est pauvre, Ouais. Dès lors qu'elle essaie de pousser son fils dans une voie qui pourrait être celle d'une certaine carrière, ouais, ouais. cette voie pour un fils de pauvre ne peut être que la voie des études ouais. et par conséquent forcé de passer les ponts. Ouais, ouais, je je ouais. ne vois pas d'objection à ce qu'un jeune enfant ait passé les ponts. J'en verrais beaucoup plus à ce qu'un homme de la rive droite prenne femme sur la rive gauche. Ouais. Euh, oui, -moi. Mais moi, c'est le problème est, est... euh, historico-philologique. Oui. Est-ce qu'on peut être paroissien d'un couvent de moines de de, moine, de réguliers c'est pas au XVe siècle je ne me rappelle plus la date euh, la papauté euh, a donné aux ordres mendiants euh, des fonctions acceptées de jouer des fonctions quasi paroissiales et villon en fait particulier... allusion à la carmélite de absolument euh, la confession, etc. La confession, euh... c'est-à-dire les offrandes qui sont à la clé. Il faut bien voir que c'est la raison pour laquelle entendu. on se bat dans le pari des clercs. Donc, qui, qui confesse dirige son pénitent vers le tronc. Oui. Je pense que, bien que sûrement, philologiquement, juridiquement, euh, le terme soit inexact, euh, paroissienne des célestins, je pense que quand même dans la réalité concrète, euh, les églises monastiques devaient jouer un rôle quasi-paroissial euh, qui permettait euh, une expression, qui est une expression plus de poète que de juriste, n'est-ce pas moi, je le pense. Vous venez de parler à propos de la mère de Villon et de l'enfance de Villon, de la pauvreté qui sera un des grands leitmotifs de l'œuvre et appliqué à lui-même, avec sans doute d'ailleurs des sens ambigus multiples, pauvre Villon. Euh, je voudrais demander à Philippe Contamine, euh, donc euh, dès maintenant, quel est la, le rôle, l'image de la pauvreté dans l'œuvre de Villon et quel rapport est a avec les réalités de l'époque oui, je, il me sent, ça m'a frappé. En même temps que le thème de la vieillesse, il y a le thème de la pauvreté. Et Villon se présente, du reste, peut-être non, sans une certaine complaisance, un exhibitionniste comme un pauvre, le pauvre Villon, le pauvre petit escolier Villon. Bon, euh, ce sont des thèmes qui reviennent assez fréquemment. Alors il s'agit, je crois, dans son esprit, d'une pauvreté. Globale, économique, globale même. mais également d'une pauvreté de caractère euh, mental, ouais. puisqu'il déclare qu'il est pauvre de sens et de savoir, n'est-ce pas et Donc c'est un petit... C'est un petit. Alors, et, il, euh, il se plaint. Il, il a un côté un petit peu génial, il faut bien le reconnaître. Et il, et il cherche des appuis. Par conséquent, il se présente de la façon la plus humble. Un petit, un pauvre. Finalement, dans la grande tradition médiévale, rien de très, très original le dans ce domaine. Il, il n'est pas mais, misérable, euh, au non. départ, tout au moins. Non, non, il n'est pas misérable. Il ne se dit pas misérable. Non, pauvre. C'est un pauvre. C est C est un un pauvre. pauvre. Sa, sa société, il y a les pauvres et puis il y a les riches. Et il ne dit bon, jamais, jamais, je suis pauvre, mais Il est toujours deux. pauvre quelque chose, notamment. Voilà. Pauvre Villon. Mais alors ce qui m'a frappé également en, en relisant à la faveur du livre de Favier euh, les poèmes, c'est que certes Villon n'est pas du tout un contestataire social, rien de cela, mais malgré tout il y a un passage où il montre que pauvreté égale éventuellement rébellion. Je, je cite les quatre vers, pauvreté chagrine et dolente. « Toujours dépiteuse et rebelle, dit quelques paroles cuisantes, celle n'ose si la pense elle. » Autrement dit, il y a malgré tout, dans le thème de la pauvreté, le thème de l'envie et le thème de la contestation bon de vrai. la position des riches. Et, et puis il y a la balade de fortune, oui. où Villon n'osant pas accuser la Providence, s'en prend quand même à la fortune, et par conséquent, au, au sort, peut-être même aux astres, il le dit, je pense que Philippe Contamine... Ah, à Saturne. Eh ben, oui, ah, à Saturne. mais Ouvillon, vraiment, euh, accuse le sort, fortune avec un F majuscule, de l'avoir mis dans cet état et dans cette situation, et là, il n'accuse pas le déroulement de sa vie. C'est, au départ, dans son fardeau, dans son fardeau de naissance, nous dirions dans son lot. Jean favier nous venons donc d'évoquer dans le Paris du XVe siècle le monde économique avec, euh, disons, les nouveaux riches, euh, le monde universitaire et plus largement euh, clérical, maintenant le monde de, des pauvres. Euh, Ceci semble un petit peu nous pousser vers une certaine image du villon marginal et avant de nous poser la question pour clore cette seconde partie de notre débat, il faudrait quand même un petit peu évoquer certains aspects de ce monde marginal. Je pense d'une part en restant toujours à Paris les tavernes et les filles et puis ensuite la route et le vagabondage. Alors en ce qui concerne les tavernes et les filles, quel rôle ça joue dans le Paris du XVe siècle Écoutez, Villon, c'est le lieu de la convivialité, c'est le lieu où l'on se retrouve et c'est le lieu de l'amitié. Et euh, l'oraison qu'il écrit à la mémoire de son ami et, et procureur, Maître Jean Cotard, c'est un éloge de l'amitié, beaucoup plus qu'un éloge de la beuverie. Et c'est à la solidarité des ivrognes rendus au paradis qu'il en appelle, et non pas du tout à la solidarité devant le pot. Finalement, euh, la taverne, c'est un cadre de vie, c'est un cadre de vie bourgeois, ce n'est pas seulement celui des misérables qui n'ont que la taverne pour se rencontrer, c'est aussi, on le voit bien, lorsque le théâtre bourgeois emprunte à la taverne un certain nombre de ses cadres conventionnels, au point d'imaginer le paradis comme une suite de tavernes, c'est le lieu où l'on s'exprime, où l'on se rencontre, où l'on fête où, au soir d'une fête, on, euh, on discute entre amis, mais c'est aussi le lieu où l'on conçoit que s'organise la vie sociale dès lors qu'elle sort du domicile de chacun. La taverne est donc quelque chose de très important, beaucoup plus qu'un lieu où l'on <coughs> boit. Il faut d'ailleurs rappeler que mot taverne a plusieurs exceptions dans la langue du Paris médiéval. Et que vendre du vin à taverne, ça veut simplement dire vendre au détail, qui n'est pas nécessaire d'être tavernier. Mais la taverne du tavernier est un lieu de rencontre. Bien entendu, on y rencontre aussi les filles. Et de la taverne bien famée à la taverne mal famée, il y a toute une gradation que l'on trouve dans l'œuvre de Villon. Où finalement nous nous apercevons que ce clerc euh, qui par conséquent euh, cherche le contact de fille ailleurs que dans le monde du mariage euh, ce clerc qui n'a pas les moyens de s'offrir les prostituées que peut s'offrir le marchand de passage ou le curé de passage qui a une bonne une bonne, une bonne pré, une bonne prébende ou euh, un bénéfice convenable ce clerc désargenté de quoi se satisfait il eh bien très souvent d'un sourire ou d'un frôlement et les femmes dont il rêve, nous en reparlerons, mais ce sont celles qu'il peut atteindre et ce sont celles auxquelles il peut dire un mot et attendre un sourire. Alors voilà pour la taverne. Oui, alors vous venez donc de, de prononcer. Euh, euh le nom d'un phénomène sur lequel je voulais maintenant vous interroger, la prostitution. C'est très important la prostitution à Paris. Elle est, est très est... importante, mais à tous les degrés. Euh, il y a les bourdeaux, les bordels, ils sont nombreux, euh, ils coûtent de l'argent, et l'on n'y va pas quand on est François Villon. Quand Villon lui-même, euh, en, te... en ce bordel où tenons notre état, dit-il, dans la balade de la grosse Margot, en définitive, il ne nous laisse entrevoir qu'un lieu sordide où il tient la chandelle d'une pauvre fille dont il n'est pas tellement le souteneur, dont il est plus exactement le compagnon de misère. En revanche, il est une prostitution organisée hors des bordels. Il est une prostitution en chambre, que nous connaissons par d'autres sources, beaucoup plus d'ailleurs que par Villon. Et puis, il y a surtout une infinité de degrés dans La fille facile. Alors maintenant, euh, est-ce que Villon, que vous venez de situer euh, dans ce monde. Euh, plus ou moins marginal parisien, employons le mot, euh, provisoirement. Est-ce que nous le retrouvons dans des conditions, si l'on peut dire, analogues sur la route Appartient-il au monde des vagabonds, et en particulier de ces vagabonds plus ou moins organisés, qui ont différents noms à l'époque, les Caïmans et surtout les coquillards Félix, quoi oui. Avant de passer à... à... La route, si oui. je puis dire, je voudrais faire remarquer qu'il n'est pas question de jeu dans Villon. Villon n'était pas joueur. Ah, oh, si, il, y a. Ah, il y a plusieurs vers. Oui mais, enfin... oui, mais non, non, non pas peut... très important. Bah, oui, pas très important. Il, 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 mais cite il, a. Di... il cite une dizaine de jeux. Oui, bon. non, mais il, il ne se présente pas comme victime ah, non. Non. du jeu. C'est ça que je veux dire. Absolument. Il ne dit pas jeu. que le jeu joue un rôle, mais il le considère comme une activité ah, oui. à laquelle ah, non, on peut se livrer et qu'il réprouve, mais qu'il réprouve dans les moments où il fait la morale aux autres. Car c'est un prêcheur. Non, mais c'est la, la, la trilogie Goliardique que ah, je retombe toujours dans mes yeux le jeu la taverne et les et femmes n'est-ce pas or il y a la taverne et les femmes mais il n'y a pas de jeu oui. chez lui oui. pas, il très me, peu très peu si vous le comparez à Rudebeuf puisqu'on parle de Rudebeuf Ru oui. tout à l'heure n'est-ce pas alors que Rudebeuf se plaint continuellement d'avoir été dévoué par la, oui. je fais une observation jeu. dans les tavernes parisiennes on peut boire à crédit et ne jamais payer son ardoise on ne joue pas à crédit oui. Oui, bah, que ce soit pour une raison ou ah. pour une autre, hein, Attends, on n'a pas d'argent. Oui, oui. Non, mais enfin, il ne semble pas le regretter. Il, il ne devait pas être joueur, vous comprenez Ça, faut, faut bien chose, <rire> même, <rire> Il faut bien lui accorder quelque chose. <laughs> Alors maintenant, je repose un peu brutalement ma question. Euh, quand Villon n'est pas à Paris, euh, quand il est sur les routes, est-ce qu'il appartient euh, au monde des vagabonds, et en particulier de ces vagabonds plus ou moins organisés, euh, dont les principaux au XVe siècle sont ceux que l'on appelait coquillards. Vagabond, oui. Il a certainement fait un peu tous les métiers, y compris les moins avouables, y compris ceux qui l'ont conduit à la prison d'Orléans, peut-être à celle de Main, à coup sûr. Il a probablement été colporteur, peut-être a-t-il été manœuvre sur des chantiers de construction. Euh, il semble bien qu'il ait gardé quelques souvenirs de la fatigue que l'on ressent quand on a monté la, la boisson aux maçons qui sont au sommet de l'échafaudage. Euh, qu'il ait été malfaiteur, c'est certain. Qu'il ait été membre d'une société, enfin d'une organisation de malfaiteurs, j'en suis moins convaincu et je crois qu'il les a côtoyés plus que vécus. Je pense, euh, mais là encore nous sommes dans le domaine d'interprétation extrêmement extrêmement difficile que Villon n'a pas été un bandit d'une bande, qu'il les a connus suffisamment pour s'en inspirer, pour y trouver d'abord l'inspiration des balades en jargon, pour y trouver le langage des balades en jargon. Il se trouve que certains de ses complices de petits mauvais coups se sont fait prendre pour de plus graves coups. Ailleurs, les coquillards sont pris en un lieu où Villon ne met pas les pieds, et euh, c'est au prix de toute une trituration euh, de l'œuvre de Villon que l'on peut voir en lui un membre des coquillards. De là, à s'imaginer que Villon est un honnête homme qui cherche à gagner sa vie comme manœuvre, il y aurait toute une distance que je ne franchirais pas. Il est certain qu'il a appartenu au monde des, malfa des malfaiteurs. Mais euh, je ne verrai pas volontiers en lui l'un des assassins de grand chemin. Philippe, on termine. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision de Villon Pour vous, c'est un, un marginal ou quelqu'un d'autre Je pense que c'est un, un marginal, on peut employer ce terme, effectivement. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui, bien que marginal, à différents moments de sa vie, a essayé de se réinsérer dans les cadres normaux de la société. Il a gardé des protecteurs, il a gardé le contact avec des milieux euh, tout à fait honorables. Euh, mais euh, je pense que euh, c'est un personnage un petit peu bon ambigu. Il y a chez lui euh, à la fois un aspect jeu, euh, au sens où euh, il joue avec le vocabulaire et le vocabulaire de la coquille le fascine. Euh, il est proche du milieu de la coquille tout euh, en n'y étant pas complètement engagé. Bernard Guenet. J'avoue que le problème du marginalisme de Villon me euh, m'intéresse ou m'a inquiété tout au long de la lecture de ce livre parce que qu'il était un délinquant c'est évident. et... Euh, J'avoue que j'aurais plutôt moi tendance à rassembler tous les traits qui prouvent que c'était un homme de lettres, n'est-ce pas C'est un homme de lettres par sa culture. Il a lu le roman de la rose, il l'a lu et relu. Il connaît euh, des chants, il connaît toutes les formes littéraires, les pratiques, connaît tous les lieux communs. Et un de son génie consiste à traiter avec génie des lieux communs parfaitement littéraires. Une autre chose qui me frappe, c'est que sa production s'étend sur pas tout à fait dix ans, mais qu'il l'a conservée et que la structure du testament consiste à reprendre des poèmes qu'il a conservés par devers lui, ce qui est le soin d'un homme de lettres et pas tellement d'un marginal. Il a son petit succès parisien, il a son public, il a cherché bien davantage, il a cherché la protection des princes, ça a été un échec. Mais l'échec dans les cours ne veut pas dire qu'il a eu un échec total, c'est que son public ne devait pas être ce public-là, c'était un public bourgeois parisien, c'était le public des rues. J'attirerai aussi l'attention sur le fait qu'il a eu des lettres de rémission. Or, maintenant, on sait bien, en particulier euh, les recherches de Claude Gauvard le montreront, que les lettres de rémission ne s'adressent pas aux marginaux. Ce sont les gens qui ont des amis et qui ont les moyens financiers d'obtenir cette forme juridique qui abrège un procès, euh, qui est normal d'ailleurs, mais qui, qui coûte de l'argent. Si bien que au total, si vous voulez, il y a une ambiguïté fondamentale chez Villon qui fait que je pourrais dire, en y mettant un brin de paradoxe, mais pas trop quand même, que Villon est un marginal qui aurait pris grand soin de passer chez Bernard Pivot. <laughs> Jean-Favier, vous qui y êtes passé. <laughs> Bien, je partage tout à fait l'analyse de Bernard Guenet et j'ai observé dans mon livre, j'ai donné quelques exemples de ces lettres de rémission en les prenant volontairement au hasard, c'est-à-dire en, pre en prenant celles qui entourent celles de Villon pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir fait un choix. Ce sont tous de petites gens, mais de petites gens qui ont un métier, qui ont une situation sociale connue, qui est une situation de valet ou qui est une situation de, 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 de cultivateur, mais ce ne sont jamais des gens qui n'ont ni de ni métier. Euh, deuxième observation, il est certain, et là je, je, je suis tout à fait d'accord avec Bernard Guenet, Villon a cherché à devenir un homme de lettres professionnel. Il est certain que la composition même du Testament, dans lequel il faut peut-être le dire, peut-être y insister pour les auditeurs, euh, Villon a inséré a posteriori toutes sortes d'œuvres qu'il avait déjà composées et dont il a assuré l'enchassement, et dans lequel il a inséré. Des œuvres qu'il a composées pour les insérer là, c'est vraiment l'anthologie qui, à certains, à certains moments, me fait penser au pressbook de l'artiste contemporain Villon, qui est un homme qui a cherché à plusieurs moments à s'insérer dans un certain monde où l'on peut vivre de son talent, avait constitué ce, cette œuvre représentant l'ensemble l'éventail de ses talents pour pouvoir le présenter et dire voilà ce que je sais faire, vous pouvez m'embaucher, vous pouvez me rémunérer, vous pouvez me passer commande. Bon, et alors de, de ce villon, et en particulier de ce villon parisien, quelle est à travers son œuvre euh, euh, l'image, euh, le poème que vous proposez à nos auditeurs Eh bien, pour ce marginal de la société, mais qui est aussi un marginal de la délinquance, qui est marginal partout sauf dans les tavernes, je proposerai la balade et oraison à la mémoire de Feu-Jean Cotard. Père Noé, qui plantate la vigne, vous aussi, Lot, qui butes au rocher par telle partie qu'amour qui gens en gigne de vos filles si vous fit approcher, pas ne le dit pour vous le reprocher, archer triclin qui bien sut cet art. Tous trois vous prie qu'au vous veuillez percher l'âme du bon Feu-Maître-Jean Cotard. Jadis, Extrait il fut de votre ligne, Lui qui buvait du meilleur et plus cher, Et ne dut-il avoir vaillant un pigne Certes, sur tous c'était un bon archer, On ne lui sut peau des mains arrachées, De bien boire, on que ne fut fait tard, Noble seigneur, ne souffrez empêcher L'âme du bon feu maître Jean Cotard. Comme homme bu qui chancelait les trépigne Les vu souvent quand il s'allait coucher, et une fois il se fit une bigne, bien m'en souviens, à l'étal d'un boucher. Bref, on eût su en ce monde chercher meilleur pion pour boire tôt ou tard. Faites entrer quand vous aurez huché l'âme du bon feu maître Jean Cotard. Prince, il n'eût su jusqu'à terre cracher, Toujours criait, Arro, la gorge mare. Et si ne sut on que sa soif étanchée, l'âme du bon feu maître jean cotta c'est au cours de ce débat de faire allusion et c'est normal à l'œuvre de Villon à Villon poète à la fois parce que nous avons trouvé une documentation dans cette œuvre parce que cette œuvre témoigne et aussi parce que je dirais de plus en plus au cours du débat nous avons vu se dégager s'affirmer l'image de Villon littérateur poète alors je voudrais maintenant que nous allions plus près euh, de cette œuvre et pour commencer sous ses aspects proprement littéraires. Et je voudrais donc demander à Félix Lecoy de nous présenter. Ce Villon poète, et notamment à travers euh, sa langue, son style, les genres, comment on le situer Est-ce que euh, c'est euh, un génie tout à fait à part euh, dans la littérature du bas Moyen-Âge, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est sans doute plus grand, autre euh, que les autres, quelqu'un qui, malgré tout, euh, est un peu un poète comme les autres eh C'est là, n'est-ce pas, le, le, un problème absolument insoluble sous certains aspects, il rentre dans une tradition bien connue, qui, aussi bien par l'inspiration que par la forme, n'est-ce pas Il n'innove pas en matière formelle, la balade, les, le, les, les couplets, etc. Tout ça, ce sont des choses très connues depuis longtemps. Nous avons vu tout à l'heure qu'il greffe sur des lieux communs qui traînent quelquefois depuis très longtemps, n'est-ce pas Ces développements. Mais par ailleurs, alors. Pour ce qui est de la langue et du style, on peut dire que c'est une espèce de météore. Personne au XVe siècle n'a écrit avec cette simplicité et en même temps ce caractère absolument direct. n'est-ce pas Quand vous prenez, vous lisez de l'Alain Chartier, puisque il en parle, qui est un très bon poète, et puis que vous lisez ensuite du Villon, vous êtes absolument étonné du, le, 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 en passant de l'un à l'autre. Ou, ou, ou Charles Orléans, si vous voulez. » Pour prendre des gens qui sont des, 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 des poètes originaux, n'est-ce pas Mais ils n'ont pas cette euh, enfin cette simplicité directe de Villon qui, fait probablement ce, qui a fait probablement son succès dans le peuple parisien. C'est probablement ça, n'est-ce pas, qu'il a. Il dit les choses avec une simplicité totale et une efficacité totale. Simplicité, je crois que c'est évident. Toutefois, je me demande s'il ne faudrait pas signaler aux auditeurs, peut-être que mmh. vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, euh, je parle de ma propre expérience, mmh. euh, sauf dans un très petit nombre de pièces, ah. Villon ne se lit pas et ne se comprend pas facilement. Je veux dire par là que... C'est une œuvre qui a plusieurs niveaux, plusieurs profondeurs qu'il faut interpréter, mais au niveau même de la compréhension des mots, du vocabulaire. Ah, alors là, oui, naturellement, Villon n'est plus n'est plus aujourd'hui un poète directement accessible aux lecteurs contemporains. Euh, on peut le faire lire avec un minimum de commentaires euh, euh, linguistiques, principalement euh, des commentaires de type lexicographique, n'est-ce pas, quelques remarques de syntaxe, ça c'est absolument indispensable, mais ça c'est le vieillissement, nous ne nous pouvons, pouvons pas y échapper. A noter d'ailleurs que de ce point de vue, il est peut-être plus moderne que beaucoup d'autres poètes, ses contemporains, et même que certains poètes du XVIe siècle, n'est-ce pas Parce qu'il écrit vraiment une langue totalement dépouillée, n'est-ce pas Totalement dépouillée. Je ne parle pas, bien entendu, des quelques ballades dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont des ballades de circonstances. Là, Villon monte sur ses grands chevaux, si je puis dire, la, 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 la balade contre les ennemis de la France, la balade à Robert d'Estouteville. Alors là, il sacrifie à une mode à une mode relativement affreuse, d'ailleurs, qui donne des, bah, des produits absolument pratiquement illisibles. Il s'en pas mal, remarquez. Mais enfin. <laughs> Ils s'en même très bien. ça s'en très bien. <laughs> Mais enfin, là, y a, y a, y a, on sent évidemment que ce n'est pas euh, vers ce genre de littérature que le portait son tempérament. Mais alors, euh, pour tout le reste, ce pas, c'est une simplicité et, et qui fait qu'on est toujours à se demander par quel procédé, mais il n'y en a pas n'est-ce pas, par quel biais, par quel euh, oui, procédé, il arrive à cette expression absolument pathétique, n'est-ce pas? Il a connu, à, à tous les points de vue, non seulement la langue est très simple, mais la construction du, co du couplet, n'est-ce pas, est toujours, presque toujours parfaite. Je ne parle pas... Dessous, il y a des laits qui sont quelquefois un peu tirés par les cheveux. Mais dans les, la partie où il parle de lui, où il parle de son sort, etc., le, le, on peut dire, n'est-ce pas, que chaque couplet se termine avec une, à la fois une simplicité, une efficacité. Ça, a, on a l'impression qu'il n'y a pas de recherche, n'est-ce pas On a l'impression que, que c'est ce qu'on va dire soi-même qui arrive là, n'est-ce pas Mais en réalité, c'est lui qui l'a trouvé. Faut là, c'est certainement ce qui fait sa, sa grande, grande. Sa ça, ça, ça grande valeur. Pas Et les poèmes qu'il a écrits, alors en jargon, euh, comment les placez-vous dans son œuvre Là, là c'est difficile. On peut penser que ce sont des, comme disait Jean Favier tout à l'heure, on peut penser que ce sont des amusements de taverne, vous comprenez Des amusements de compagnons c'est pas tout à fait pareil mais enfin nous avons connu à la fin du XIXe siècle des poètes qui s'amusaient à écrire sinon en jargon du moins dans un langage pseudo pseudo populaire n'est-ce pas alors euh, c'est pas en jargon, je pense que c'est ouais. c'est le même genre. Surtout tout de même que leur oui. contenu, n'est-ce pas, est, est, est malgré tout assez amer, et très oui. moralisé, et très moralisé, <coughs> oui. mais amer. Oui. Par conséquent, euh, c'était tout de même vraisemblablement destiné à un petit groupe, n'est-ce pas, à un petit groupe d'amis. Pas tellement à cause de la langue, peut-être parce que vraisemblablement. Dans les tavernes de Paris, il devait y avoir beaucoup de gens ouais. qui comprenaient ce jargon, n'est-ce pas Comme aujourd'hui, vous avez des gens qui, qui lisent des, 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 des romans pseudo-jargon et qui ouais, les ouais. comprennent, bien qu'ils bon, ne pratiquent pas eux-mêmes, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Mais alors, le, le public auquel étaient destinées ces balades était probablement, lui, plus restreint. Enfin, il faut bien reconnaître que ces balades en jargon, puisque nous parlons de marginal, c'est marginal dans l'œuvre de. C'est du, du jeu verbal. C'est -ce du jeu verbal, n'est-ce pas C'est du jeu verbal. On peut rattacher à ce genre de plaisanterie, si je puis dire, la balade de la grosse Margot. C'est la -ce balade de la grosse Margot sur laquelle on a, non pas tellement écrit, mais sur laquelle on s'est épuisé, n'est-ce pas, en, en commentaires. Je crois moi qu'il n'y a pas de commentaire à faire du tout si j'ose dire. Enfin, il n'y a pas à y voir la moindre trace de vérité psychologique ou de vérité biographique, n'est-ce pas La balade de la margot est ce qu'on appelle une sorte de chanson, c'est-à-dire un, un texte écrit. Exprès avec grossièreté pour faire rire les gens et probablement destiné à un public relativement distingué. Pas Goethe a fait la même chose. n'est-ce <laughs> pas C'est un genre, il en existe, il en existe bien d'autres, et nous avons des, des recueils de seules chansons. C'est Marcel Schwab qui a publié ce parnasse satirique, n'est-ce pas oui. il a, et, et il y en aura encore d'autres. J'en en ai publié quelques-unes dans les mélanges Richner que j'ai emprunté au manuscrit de Stockholm, où il y a d'ailleurs des viand justement. Et il y a encore un certain nombre de balades du même genre à publier. On, on, on voit très bien que c'est un jeu de société. On peut le trouver de mauvais goût, ça c'est un autre problème, nest pas Mais enfin, c'est un fait. Et chose curieuse, vous parliez tout à l'heure de l'édition de Richner et Henri, eh bien, l'interprétation de la grosse Margot n'est pas la même dans la note préliminaire et dans la note finale. Elle est vraisemblablement l'œuvre des deux auteurs, n'est-ce pas Et alors, on a là le choix entre les interprétations possibles. Oui, à nouveau, je, je tiens à souligner ceci, n'est-ce pas Combien il y a. À découvrir, je n'ose guère le dire, mais combien le champ est encore ouvert aux interprétations pour toute une partie de l'œuvre de de Villon, qui est encore un, un auteur à inventer, je dirais presque. Jean-Favier, voulez je dire veux, quelque chose Je voudrais souligner le fait que qu'une lecture de Villon est une, une introduction extraordinaire au au système de pensée d'un ancien écolier. Car si c'est un poète d'une extraordinaire originalité dans l'expression, sa façon de sa façon de penser, son mode de Raisonnement oui. est absolument euh, emprunt de l'école. C'est un, un scolastique, dans toute l'acception du terme, c'est un homme qui raisonne selon des schémas. Logique préétablie qu'on aurait grand tort de ridiculiser pour euh, les redécouvrir quand Descartes les formule à sa façon. Et finalement, c'est un homme qui raisonne par syllogisme, qui raisonne par comparaison, qui raisonne par symbole, qui raisonne en utilisant euh, les doubles sens de de, des formulations, les doubl le double sens des mots et le double sens des images. C'est constant dans l'œuvre de Villon que euh, l'on voit, comme dans toute œuvre scolastique, une utilisation d'un mot, d'un cliché, d'une image ou d'une référence avec un sens allégorique, un sens moral, un sens littéral. Et l'on s'aperçoit que Villon souvent dit en même temps ce qu'il veut dire et le contraire de ce qu'il veut dire au lecteur de comprendre. Et bien Pour terminer, je vous propose d'évoquer de, euh, deux thèmes euh, qui me paraissent euh, fondamentaux et, et où d'autre part, euh, l'homme et l'œuvre sont très étroitement liés. L'un, c'est la femme, les femmes, chez Villon, et l'autre, bien sûr, la religion. Alors, les femmes, vous en avez beaucoup parlé, euh, je me demande si on ne pourrait pas poser la question. Il me semble que traditionnellement, et vous-même, Jean Favier, on taxe Villon, ou pourtant, il y a tellement de personnages féminins, d'un misogyne. Ce n'est pas l'ennemi des femmes, c'est le déçu des femmes, peut-être. Vous pensez que c'est ça Je pense misogynie. que Villon, c'est un clerc et qui, comme tous les clercs, euh, a d'abord des réflexes de misogynie. Euh, il emprunte d'ailleurs beaucoup de ses clichés au roman de la Rose, qui est finalement l'ouvrage le, le, à penser de, de, des deux derniers siècles du Moyen-Âge. Et d'autre part, c'est un homme pauvre. Et j'ai essayé de montrer combien un certain nombre euh, d'accès vers la femme sont fermés à celui qui est pauvre, que ce soit le mariage qui est fermé tout autant aux au pauvres compagnons, aux pauvres valets, qu'aux pauvres clercs. Ou que ce soit euh, l'amour de la femme, qui sous ses formes courtoises n'est pas à la portée d'un homme comme Villon, et qui sous ses formes plus réalistes n'est pas non plus à sa portée. Alors euh, c'est une réaction de, je pense, d'amertume beaucoup plus que d'hostilité. Oui, à, à nouveau comme on l'a vu souvent, euh, l'échec. Je le crois. Oui. Je pense qu'il a raté sa carrière, il oui. a raté sa vie amoureuse. Oui. Euh, et la il seule a réussi, chose qui n'est pas ratée, c'est son, son œuvre. <laughs> Bernard Guenet. Je dirais simplement pour la femme ce qu'on a dit pour beaucoup d'autres choses, c'est que l'antiféminisme de Villon, c'est aussi un lieu commun, un lieu commun littéraire. Euh, Jean-Favia a beaucoup fait de parallèles avec les quinze joies de mariage ou d'autres textes de ce genre. Je me demande si dans la vie quotidienne et courante, n'est-ce pas, ce lieu commun antiféministe par rapport à, au sentiment réel d'un bourgeois parisien du 15e siècle pour sa femme, il ne faut pas faire le même décalage qu'entre ce qu'un chansonnier peut dire sur les femmes et ce que pensent normalement euh, de bons bourgeois du 20e siècle des femmes à l'heure actuelle. C'est pourquoi j'ai mis en parallèle euh, l'œuvre de Villon, les 15 joies de mariage qui sont une satire de Claire, et puis le ménagier de Paris qui est l'autosatisfaction du bon bourgeois marié. Enfin, euh, finissons bien. Et comme Villon souhaitait le faire lui-même. Euh, ce clerc, euh, paillard, buveur, euh, délinquant, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs chez un homme du XVe siècle. Mais enfin, euh, c'est avec peut-être plus de profondeur et une certaine originalité, c'est un homme profondément religieux. Alors, Philippe Contamine, la religion de Villon, qu'est-ce que c'est En cette fois, je veux vivre et mourir. Je crois que Villon a été un bon élève de l'Université de Paris, de l'Alma Mater, c'est un scolastique. Et ce qui me frappe, c'est que même s'il si ne se veut absolument pas théologien, il le dit quelque part, sa religion est parfaitement conforme et conformiste. Je crois qu'il n'y a rien d'hérétique chez lui. Alors que malgré tout, il aurait pu être tenté par l'hérésie vaudoise ou par le suïtisme, etc. Rien de ce genre. Donc quelque chose de parfaitement conforme. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il est entièrement l'esprit chrétien. Car enfin, ce qui me frappe, c'est qu'il fait allusion sans cesse à la compassion, à la pitié. Il demande qu'on ait pitié de lui, mais lui-même ne pardonne pas aisément. Et il y a, en particulier dans la balade à Chartreuse et à Célestin, etc., toute la fin de cette balade montre bien que il a la dent dure. Il est assez volontiers cynique et que certains méfaits, certains mauvais comportements à son égard, il ne les pardonne pas. J'ajouterai encore ceci, c'est que, bon, il y a chez lui un passage, même deux passages, en liaison avec le thème de la vieillesse. Et il dit quelque part... Euh, être vu est si affreux que normalement on devrait se suicider. La tentation du suicide. Et il écarte cette tentation, qui est évidemment une tentation tout à fait antichrétienne, en parlant de horribles faits, etc. Mais c'est très curieux qu'il parle deux fois de cette possibilité. Et qu'il fait presque un reproche à Dieu d'avoir fait échapper sa mère à l'aboutissement de la vieillesse. Il le dit, faudra-t-il tout vif tout aller aux cieux et là, c'est visiblement euh, le reproche qu'il fait à Dieu de soumettre le corps féminin, car c'est de lui qu'il s'agit à ce moment-là, à une condition épouvantable à laquelle Dieu a fait échapper sa mère. Et alors, euh, cette religion, je dirais euh, toute l'œuvre de la vie, eh bien c'est le chemin de toute chair, euh, la mort. Et là, alors, euh, euh, Villon, poète de la mort, euh, je crois que c'est un des grands côtés. Euh, vous avez souligné, je crois tous ici, euh, combien il y avait souvent dans les poèmes les, les plus simples, euh, comme l'a dit Félix Quoi, euh, un relan quand même de littérature, euh, quelque chose d'un peu artificiel. Et l'œuvre la, la plus connue, la, tellement connue que nous nous permettrons de ne pas vous la faire entendre aujourd'hui à nouveau. Dans la balade des pendus notamment, on a l'impression de la sincérité absolue. Je pense que la sincérité dans la balade des pendus, elle tient en partie à ce qu'il se considère comme déjà pendu. Ce n'est pas l'épître aux amis, il le laisserait là, le pauvre villon, où il, oui. où il espère que ses amis le tireront de là. Dans la balade des pendus, il est pendu. C'est le Et pendu qui parle. Le vraiment pendu qu parle. Et ce qu'il craint le plus à ce moment-là, ce n'est plus la mort, car il... Il a le sentiment qu'il n'y échappe pas plus, c'est d'être tourné en dérision. C'est la moquerie qu'il craint. Et on voit à ce moment-là un, un villon profondément pétri de, de, de chaleur humaine et profondément demandeur de chaleur humaine. Ce qu'il craint, c'est que ses frères humains, quand ils le verront dans la position ridicule du pendu avec la langue qui tire, ne se moquent de lui. La crainte de villon est vraiment une crainte humaine au dernier moment et c'est à l'amitié qu'il fait appel beaucoup plus qu'à la compassion. Mais quand même, euh, il a une certaine vision de l'au-delà. Alors qu'est-ce que c'est l'au-delà de Villon L'au-delà de Villon, c'est le paradis. Il n'y a pas de purgatoire, j'en suis fâché pour Jacques Le Goff, <laughs> Villon n'avait pas lu son livre. Et Villon euh, qui est un homme tout d'une pièce, semble-t-il dans sa foi, probablement parce qu'elle est très simple, ne conçoit l'au-delà qu'en deux termes l'enfer ou le paradis. Mmh. Dame du ciel, régente terrienne, empérière des infernaux palus, recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus, ce nonobstant obstant con que rien ne valut. Les biens de vous, madame et ma maîtresse, sont trop plus grands que ne suis pécheresse, sans lesquels bien âme ne peut mérir. N'avoir les cieux, je n'en suis plus jangleresse, en cette fois je veux vivre et mourir. À votre fils, dites que je suis sienne, de lui soient mes péchés absous. Pardonnez-moi comme à l'égyptienne, ou comme il fit au clerc Théophilus, lequel par vous fut quitte et absolu, combien qu'il eût au diable fait promesse. Préservez-moi, que ne fassent jamais ceux, vierges portant, sans rupture encourir, le sacrement qu'on célèbre à la messe. En cette foi, je veux vivre et mourir. Femme je suis, pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que l'être ne lut. Au et voix, dont je suis paroissienne, paradis peint où sont harpes et luttes. Et un enfer où d'années sont boulues, L'un me fait peur, l'autre joie et liesse, La joie à voir me fait, haute déesse, À qui pécheurs doivent tous recourir, Comblés de foi, sans feinte ni paresse, En cette foi je veux vivre et mourir. Vous portate, digne Vierge, princesse, Jésus régnant, qui n'a ni fin ni cesse, le Tout-Puissant, prenant notre faiblesse, Laissa les cieux et nous vint secourir, Offrit à sa mort sa très claire jeunesse. Notre Seigneur, tel est, je le confesse, En cette foi, je veux vivre et mourir.